Bonjour, bienvenue à un dîner pour ma famille. J'ai invité mon grand-mère aussi. Le premier plat, j'allais faire la cuisine et mon plat de résistance, poulet cordon bleu. L'ingrédient est poulet, huile en aérosol, pain miette, sel, pave noir, jambon et gruyère. Première étape, j'aplatis le poulet à une courte ponce. Puis, j'espère le riz en aérosol dans le pain. Prochaine, je sale le poulet. Je le mets le pave noir. Puis, je montre le jambon et gruyère. Pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi, oui, mon cœur qui je puis-je mettre une cuillère à travers le poulet. Je puis mettre le poulet dans le pain. Après cela, je mets le pain miette sur le poulet. Puis il est temps à mettre le poulet dans le four. Tout en il cuisinant, je commence à faire le café crème brûlée. L'ingrédient est œuf, crème fraîche épaisse, grains de café, gousse de vanille, sucre cristallisé et sucre rose. Premier, je mets la crème fraîche et passe dans la pain. Prochain, j'allais additionner les grains de café. Dernier, j'allais additionner le gousse de vanille. Je laisse ça être situé pour une heure. Ça est bouillon. Prochain, j'allais additionner des sucres cristallisés à doses. Dans la crème fraîche épaissée et séance, je mets le couvert. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. J'ai qu'une fleur pour la table. Quelque chose, il est entré
Maintenant, je mets des gruyères sur le poulet et les mets rondre dans le four. Puis je sers le fini poulet cordon bleu. Finalement, je finis et tout le reste. Je fais cuire les crème brûlée. Puis je les mets dans le réfrigérateur, le serveur. Et fini!